Olivier Trois-Fontaines, un match serré jusqu'au bout. Il n'a pas manqué grand-chose à Liège pour remporter la victoire. Ben non, parce que je pense qu'on a bien commencé le match comme la semaine passée encore. On a mis Charleroi en problème avec le box and one sur Matt Walsh, parce qu'on savait bien que c'était lui qui allait prendre tous les ballons, etc. Au fil du match, c'est vrai qu'ils sont revenus un peu dans le match, ça se tenait un peu, mais on voyait qu'on avait quand même le contrôle du match. Et à la fin du match, il y a eu quelques décisions arbitrales un peu tendancieuses, mais bon, ça, on sait bien qu'à Charleroi, c'est toujours comme ça, donc faut faire avec, quoi. À certains moments, la défense a paru moins performante que les autres semaines. Une explication ? Ben, on a joué, donc, comme j'ai dit, box and one, donc on l'a travaillé pendant la semaine, mais pas comme les autres défenses, parce que c'est un peu une défense particulière. Et donc on a accepté les shots extérieurs, mais c'est sûr que voilà, y a 2-3 joueurs qui ont été un peu chauds. Bon, aujourd'hui c'est rentré, comme par exemple demain ça aurait peut-être pas rentré, et on gagnait de 20 points, donc c'est pas un coup de dé, mais voilà, c'est une décision du coach, et voilà, ça a payé quand même, mais on n'est pas sorti avec la victoire, quoi. Il faut se reprendre la semaine prochaine à domicile contre Anvers. Ouais, c'est sûr, mais on est passé ici à côté de deux victoires qui auraient fait vraiment du bien. Mais c'est sûr que la semaine prochaine, on ne peut pas faire d'erreur. On doit absolument gagner contre Anvers. Je pense qu'ils sont prenables. Et en plus, chez nous, avec nos supporters, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, quoi. Merci, Olivier. Antoine Gillet, comment décrirais-tu ce match ? Une défaite qui fait mal, mais malgré tout, le coach nous a quand même félicité. On sait qu'on a quand même pas trop mal joué, mais c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à améliorer encore. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était quand même pas trop mal. Notre défense sur Matt Walsh, box and one, a quand même pas mal fonctionné. Il a eu énormément de lancers francs. Donc je pense que dans l'ensemble, devant, on jouait collectivement aussi, donc je pense que dans l'ensemble, c'est pas mal quand même. Comment expliquer cette fin de match brouillonne ? Ben, je pense que le dernier match, encore comme contre Alost, ici, on paniquait un peu, on essaye chacun de, pas de forcer, mais d'apporter un plus à l'équipe. Et ici, à Charleroi, avec le public et tout ça, c'était assez dur. Une fois qu'ils sont chauds comme ça, vers la fin, on sait qu'on doit tout faire, calmer le jeu et jouer plus intelligemment. Mais bon, ici, on a peut-être forcé. Mais voilà, c'est comme ça. Liège a pourtant eu 10 points d'avance à plusieurs reprises, mais n'a pas su gérer. Non, c'est sûr que... maintenant, je ne sais pas si c'est nous qui avons mal géré...
Ils ont eu quand même quelques shots aussi assez durs et ils les ont marqués. Voilà, c'est encore très dur, de gagner ici à Charleroi. Mais bon, c'est sûr qu'on aurait dû garder nos 10 points d'avance et ça aurait facilité vraiment beaucoup la fin de match, quoi. Merci Pierre-Antoine. Liégeois.